qu'Andreïkas ne se relèvera jamais véritablement de cette affaire. C'est quelqu'un qu'on a brisé, c'est quelqu'un qu'on a ruiné. Si le meurtrier a fait le pire, l'État français, lui, de son côté, ça a été pas mal non plus, il a complètement massacré ma famille. On s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain. Je me suis retrouvé à devoir travailler à même pas 16 ans pour pouvoir subvenir à mes besoins. On a l'impression que la justice n'a pas trouvé et que presque elle lui a fait payer. J'estimais qu'on aurait pu l'indemniser davantage sur certains critères. Quand vous êtes médiatique, les gens se disent « c'est lui ». L'affaire Casse, ce n'était pas que de la prison. C'était une couverture médiatique très impressionnante. Nouveau riche, obsédé sexuel, gros juif, assassin, rien n'a été épargné à Andreïkas après le meurtre de son épouse en 1992. Un meurtre qu'on l'a accusé d'avoir commandité et pour lequel il a passé 3 ans derrière les barreaux pour rien. Un homme ruiné, une famille bousillée, 2 soi-disant complices injustement accusés, des magistrats désavoués, une indemnisation au rabais. Que sont devenus ces acteurs? Qu'a changé cette affaire au niveau des lois, des investigations scientifiques, des méthodes d'enquête, de l'approche judiciaire, du droit des victimes ou encore de la réparation? Avec Imen Gwali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de l'affaire Casse et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors normes. France Bleu, Haute-Normandie. Andreïkas est libre, mais il a tout perdu. Son épouse, son travail, sa maison, son argent et quelques belles années loin de ses enfants. Retour au 5 avril 1992. À l'époque, Andreïkas, sa femme Sylviane et leurs 4 enfants habitent une somptueuse villa aux alentours de Rouen, à Anneville-en-Bourville. Une maison tape à l'œil, dans laquelle la famille Casse mène une vie confortable et heureuse. Ce 5 avril 1992, la fille aînée des Casse veut aller au cinéma. Toute la famille décide de s'y rendre, toute la famille, sauf la mère, Sylviane, qui se ravise au dernier moment. Au retour, c'est l'horreur. Sylviane Casse gît dans sa chambre à l'étage. C'est moi qui l'ai découvert dans la chambre, quand on téléphone autour et crée le bébal, quoi. Madame Casse a d'abord subi des violences dans un escalier qui mène à la cave, puisqu'on retrouvera des traces de sang. Et l'autopsie précisera ensuite qu'elle a eu un fort traumatisme crânien. Elle avait le fil du téléphone qui était autour de son cou, mais elle a été tuée par la vente de long rifle. Et à bout touchant. L'arme, une carabine qui appartient aux Casse, est posée sur le ventre de Sylviane. Ses bijoux, des tableaux et sa voiture ont disparu. L'enquête, d'abord confiée aux gendarmes, s'oriente vers un crime crapuleux, un rôdeur ou un cambrioleur. Mais 1 an et demi plus tard, l'enquête change de main. Elle est confiée aux policiers de la PJ de Rouen qui soupçonnent tout de suite Andreïkas. Car pour eux, l'homme a un comportement bizarre. Il n'a pas l'air très atteint par la mort de sa femme. Au contraire, il mène grand train et petit deuil. La preuve, il organise des fêtes somptueuses et 2 semaines seulement après la mort de Sylviane, il installe chez lui sa maîtresse. On n'a pas vu d'objection à ce que l'une de ses plus anciennes maîtresses vienne habiter à la maison. Je préférais ça que de le voir dans un état épouvantable. Mais pour les policiers, le comportement de ce promoteur immobilier au train de vie clinquant fait de lui le coupable idéal. Car Andreïkas vit effectivement une vie dissolue. C'est un aficionado des boîtes échangistes et des partouzes. Un mari à la libido conquérante qui collectionne autant les maîtresses que sa femme collectionne les amants. Visiblement, mes parents avaient un accord. Elle me dit toujours, moi je préfère être à 50% dans une bonne affaire qu'à 100% dans une mauvaise. C'est-à-dire qu'elle préférait partager papa avec d'autres femmes que de vivre sans lui. Andreïkas a même poussé l'immoralité jusqu'à compter sa belle-mère parmi ses nombreuses conquêtes. Et voilà que cette belle-mère le charge, justement. Elle l'accuse d'être responsable de la mort de sa fille et va plus loin. Sylviane avait peur. Elle m'avait dit qu'il voulait qu'elle se tue, qu'elle se jette contre un arbre, quoi. Elle m'avait dit, oh ben, si je mourais, financièrement, il serait bien. Andreïkas avait donc un mobile, l'argent.
On s'aperçoit que André Casse, à la suite de la mort de son épouse, perçoit une assurance vie assez importante, hein, de plusieurs millions de francs. Donc l'équation est vite faite. J'ai besoin d'argent, la mort de ma femme peut me rapporter 3 millions de francs, je tue ma femme. Qu'à cela ne tienne. Le 8 novembre 1993, un an et demi après le meurtre de sa femme, André Casse est interpellé. Pendant qu'il est en garde à vue, ses enfants sont entendus dans le bureau d'à côté. Les policiers ont été très clairs, ils ont dit que c'était mon père qui avait fait assassiner ma mère, qu'ils avaient les preuves, j'aurais dit ben montrez-les-moi. Ces preuves, elles ont dès le départ orienté la suspicion des policiers. Il s'agit du témoignage de deux petits malfrats, un dealer et un toxicomane, qui viennent de se faire pincer et qui accusent André Casse d'avoir commandité le meurtre de sa femme. Toujours d'après ces dealers, Casse aurait fait appel à des hommes de main pour exécuter Sylviane. Malek Mestoui et un certain Driss, deux hommes qui sont eux aussi arrêtés et jetés en prison. On m'explose la porte et on rentre chez moi à 6h du matin. On me met les menottes, on met les menottes à ma femme, on emmène mon fils. L'inspecteur Morel me dit « Tu sais pourquoi que t'es là ?» J'ai dit « Bah non. » Il me dit « Bah t'es là pour avoir tué Madame Casse. » Et on sait que c'est le gros juif qui l'a commandité. Le gros juif. Il a commencé comme ça. Un gros juif bourré de fric et vicieux qui se serait débarrassé de sa femme pour récupérer encore plus d'argent. Voilà la thèse des policiers. Une thèse qui ne résiste pourtant pas aux premières vérifications. À commencer par la préméditation. C'était pas possible. C'est-à-dire que le cinéma, c'est moi qui avais décidé d'y aller avec mon ex-mari à l'époque. Mon père avait insisté pour que ma mère vienne avec nous. Il n'y a pas de préméditation possible. Pour commanditer un assassinat, il faut savoir quand la personne sera là. C'était impossible techniquement. André Casse ne pouvait donc pas prévoir cette sortie, comme il ne pouvait pas prévoir que Sylviane se raviserait à la dernière minute. Mais qu'importe. Il avait un mobile, l'argent. Mais là encore, ça ne tient pas. Sylviane Casse avait transféré le bénéfice de son assurance vie de son mari à une banque, car elle était endettée. On ne peut pas lui attribuer ce mobile, ça, si vous voulez, c'est pas possible. Dès lors qu'on sait qu'il savait que le bénéficiaire avait été changé, c'est fini, ce mobile n'existe plus, il faut en trouver un autre. Quant aux dealers et aux toxicomanes qui ont mis en cause le puissant homme d'affaires, ils ont menti. L'un d'eux ne l'avouera que lors d'une première confrontation avec André Casse devant le juge d'instruction. S'il a menti, c'était pour négocier une peine, pour sauver sa peau. Il accuse même les policiers de lui avoir tout soufflé. Il a dit, moi tout ce qu'on m'a dit de dire, c'est les inspecteurs qui m'ont dit, qui me l'ont fait marquer. Tout ce que j'ai signé, c'est les inspecteurs qui m'ont dit de le marquer. L'accusation s'écroule, mais pas de quoi émouvoir le magistrat instructeur, qui refuse de remettre André Casse et ses soi-disant complices en liberté. Que le juge d'instruction ait été totalement influencé par le chef d'enquête de la deuxième partie, c'est-à-dire au niveau policier, c'est une évidence. Et que l'enquête policière ait été faite exclusivement à charge, c'est une évidence aussi. Pendant ce temps, André Casse reste en prison. Et pendant ce temps, ses enfants sont livrés à eux-mêmes. Et nous, on est laissés tout seuls. C'est-à-dire que le juge d'instruction n'a pas donné un seul ordre pour qu'on s'occupe de nous. Jusqu'en juin 1995, un an et demi après, le juge d'instruction reconnaît enfin qu'il n'y a plus aucune raison de garder Casse et ses soi-disant complices en détention. Alors il les libère. Mais le parquet fait appel aussitôt. Retour en prison 3 semaines plus tard. Surréaliste. L'occasion pour André Casse de narguer l'institution judiciaire. Dans une ultime provocation, l'homme d'affaires décide de devancer son retour en prison. Et il se présente de lui-même à la maison d'arrêt. Problème, quand il arrive, les portes sont closes. On me dit, on n'a rien pour vous, on a téléphoné au greffe et manifestement, on ne peut pas vous accepter. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais appeler les gendarmes à Duclair pour leur demander s'ils ont un élément quelconque qui me permettrait de rentrer. Mais là, ça fait 2 fois que je me présente spontanément. Je dirais que ça commence à devenir le grand guignol. André Casse se gausse et provoque. C'est difficile de sortir, mais c'est aussi difficile de rentrer. L'homme d'affaires finira par réussir à rentrer en prison. Il va y rester plus d'un an. Jusqu'à l'arrivée d'un nouveau procureur, Joseph Schmitt. Le magistrat comprend tout de suite que rien ne colle dans cette affaire.
Monsieur le procureur, dans l'affaire Casse, c'est vous qui avez pris conscience de l'erreur judiciaire qui était en train de se nouer. Qu'est-ce qui vous a convaincu ? C'est au fur et à mesure que j'ai commencé la lecture de ce dossier, tranquillement, à tête reposée, tous les jours un petit peu parce qu'il était énorme, je me suis dit, je n'aperçois toujours pas d'éléments qui me prouvent réellement la culpabilité. Étais-je convaincu de l'innocence de M. Casse ? J'étais convaincu en tout cas d'une chose, c'est que par rapport à l'exigence de la preuve qui est posée par le Code de procédure pénale, les preuves, la conviction, l'intime conviction des jurés, par exemple, ça ne peut pas être purement subjectif. Même si le Code, quand au moment où le président les envoie en délibéré, leur dit votre intime conviction. Vous déciderez en fonction de votre intime conviction. Oui, d'accord. Mais l'intime conviction doit se faire par rapport à l'impression que des preuves objectives peuvent laisser dans leur esprit. Or là, quelle preuve objective ? Aucune. Il n'y avait strictement rien. Grâce à l'intervention du procureur Schmitt, le 16 octobre 1996, André Casse et ses pseudo-complices sont enfin libérés. J'ai cherché ni père ni mère, j'ai pris rien du tout. Je me suis rhabillé parce que j'étais en pyjama. Je me suis rhabillé et puis nous là tous les trois devant la porte de la prison. Les trois hommes obtiennent enfin un non-lieu et l'enquête redémarre. Elle est de nouveau confiée aux gendarmes, mais à l'époque, 5 ans après les faits, difficile de découvrir la vérité. Il y a bien une piste mise de côté par les policiers. Celle d'un vendeur de lithographie qui avait rendu visite à Sylviane Casse quelques jours avant sa mort. Un homme violent qui vient justement d'être incarcéré pour l'agression d'une femme seule chez elle, dans des circonstances étrangement similaires. Tout ajouté, ça peut laisser penser que bon, c'est intéressant de poursuivre sur cette piste. Une piste qui ne mènera nulle part. À ce jour, la justice n'a réussi à établir aucun lien entre le vendeur de lithographie et le meurtrier de Sylviane Casse, qui court toujours. Aujourd'hui, André Casse tente de refaire sa vie. André Casse, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur votre affaire ? Je dirais que ma femme est décédée le 5 avril 1992. Il faisait très beau ce jour-là et ça a été un drame. Ensuite, avec les enfants, nous sommes regroupés. Donc j'avais 4 enfants que j'avais avec Sylviane, nous sommes regroupés. Et tout se passait assez bien. Les enfants avaient une bonne éducation, vivaient convenablement. J'avais eu aussi un 5e enfant que j'ai eu après. Tout le monde était réuni, tout allait bien. Et 2 ans plus tard, on est venu m'arrêter, me mettre en prison pour une durée de 3 ans sur un mobile qui n'existait pas. Et qu'en 48 heures d'enquête sérieuse, on aurait pu parfaitement prouver qu'il n'y avait aucun mobile. Pourquoi, selon vous, cet acharnement judiciaire contre vous ? L'acharnement judiciaire intervenait d'un policier. Nous étions voisins et nous partagions la même maîtresse, mais ça, je l'ai appris qu'après. Du coup, il s'intéresse à mon dossier. Nous habitions à proximité géographique, ça l'a beaucoup intéressé. Et il a fait une enquête. Et c'est très amusant d'ailleurs, parce qu'un dealer rouennais se fait arrêter à la frontière lilloise. En général, ce sont les policiers lillois qui vont s'occuper de lui. Non, là, spécialement, il a voulu faire les 300 km pour aller voir ce dealer. Le malheureux dealer dira lors de notre confrontation que si le policier n'avait pas fait les questions et les réponses lors de son interrogatoire, ça y ressemblait drôlement. C'est exactement ce qu'il a dit, la phrase exacte. Ces accusations, ce passage en prison, ça a détruit, bousillé votre famille. Le passage en prison a détruit ma famille dans le sens où ils n'avaient plus de mère et après ils n'ont plus de père. Donc les enfants, plus de maman, plus de papa. Les enfants, plus aucun revenu. Les enfants, plus de possibilités de continuer leurs études, leur train de vie tel qu'ils étaient. Les enfants, vous pestiférez, forcément, c'était plus les fils de l'assassin que les fils de la victime. Et donc, là-dedans, si le meurtrier a fait le pire, l'État français, lui, de son côté, ça a été pas mal non plus, il a complètement massacré ma famille.
Pour eux, c'était dramatique, parce que c'est des gosses qui ont dû avoir le même parcours scolaire, avec les mêmes atouts dans la vie, des voyages à l'étranger, professeurs, cours particuliers, enfin tout ce que l'argent vous permet de donner à vos enfants pour les éduquer, pour leur permettre d'avoir une meilleure vie. Eh bien, tout ça, ils ne l'ont pas eu, puisque c'était des gosses de riches quand je suis rentré en prison, c'était des gosses de pauvres quand je suis sorti de prison. Julien Casse, votre vie a été ruinée, tout comme celle de vos frères. On s'est retrouvé avec ma sœur qui avait 21 ans à l'époque, moi qui avais 15 ans et demi, mon petit frère qui en avait 13, mon autre petit frère qui à l'époque avait 3 ans. Donc on s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain, ruiné sur un plan financier complètement. Maintenant, sur un plan affectif, une entraide entre frères et sœurs, on a tout affronté, et puis au moins on sait qu'on sera soudés jusqu'au bout. Donc ruiné d'un côté et riche de l'autre, voilà. Savoir que la justice, la police, a ruiné les chances de retrouver l'assassin de votre mère. C'est ce qui me dérange le plus, en réalité. À la limite, malheureusement, mon père a fait de l'incarcération, mais d'autres personnes ont fait des incarcérations qui ont été injustifiées. C'est ignoble, c'est inhumain, mais ce qui nous dérange le plus, effectivement, c'est de jamais avoir pu savoir qui était l'assassin de notre mère. C'est quand même la chose la plus horrible dans tout ce qui s'est passé. Déjà, un, qu'elle soit assassinée. Deux, que mon père soit incarcéré. Mais qu'en plus, on ne connaisse pas la personne qui a assassiné notre mère, évidemment, la pire des choses qui puissent exister. Et le gros souci, il est là. Plus de 20 ans après, les chances de retrouver l'assassin de Sylviane Casse sont relativement faibles. À moins d'un miracle. Il y a eu des vraies failles d'enquête dès le départ. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est parti dans tous les sens. On a cherché un peu... dans toutes les directions, sans aller au bout de chaque piste ou sans pouvoir aller plus loin. Des failles et des lacunes. Les expertises balistiques ont été faites à la légère. Impossible de savoir précisément comment Sylviane Casse a été tuée. Et que dire de l'autopsie? Les empreintes de la victime n'ont jamais été relevées. Si longtemps après, impossible donc d'effectuer des comparaisons avec les empreintes relevées sur la scène de crime. Monsieur le procureur, pourquoi l'enquête a-t-elle raté? Je crois que la difficulté de cette enquête, c'est qu'on est en présence d'un crime improvisé. Et personne n'a été vu. Personne n'a été vu. Il y a eu des traces qui ont été relevées sur le téléphone dont le fil avait été arraché. Si on avait eu le fichier des empreintes génétiques qui a été créé qu'en 2004, peut-être qu'on aurait pu passer ces traces... Mais dans l'affaire Casse, on pourrait le faire aujourd'hui. On pourrait mettre l'ADN retrouvé sur la scène de crime. Non, je crois que c'est trop tard. Non, toutes les traces ont disparu. Non, aujourd'hui, ces progrès scientifiques ont quand même leurs limites. Sans aller aussi loin dans la police scientifique, à l'époque, on avait déjà la balistique, l'empreinte digitale. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement? Les empreintes digitales avaient été relevées. On les a confrontées, effectivement, à toutes les personnes qui ont été mises en cause. Et aucune n'a donné de résultats positifs. Donc, c'était aussi des éléments qui étaient défavorables à l'accusation, dont il fallait tenir compte. Aujourd'hui, on aurait plus de chances de la résoudre, cette affaire. Je pense. Je crois que les gendarmes étaient sur une bonne piste, probablement, oui. Mais on leur a retiré l'enquête. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'enquête sur la mort de Sylviane Casse? Eh bien, depuis ce non-lieu et mon départ de la magistrature, il n'y avait eu aucun complément d'enquête effectué. Donc je pense qu'après, il n'y en a pas eu non plus. Si vous savez s'il y a encore des recherches? Je pense que les recherches maintenant sont arrêtées. C'est ce qu'on fait habituellement, sauf si on reçoit une information. Soit parce que quelqu'un a été un complice qui a du remords, soit parce qu'un témoin se révèle brutalement. Bon, ça, c'est assez compliqué. Vous n'y croyez plus? Je suis assez optimiste pour toujours croire jusqu'au dernier moment qu'on y arrivera. Il faut croire, toujours, oui. Je me pose la question de temps en temps et je me dis qu'un jour, ça arrivera peut-être. Que penser aujourd'hui des raisons qui ont conduit à ce fiasco judiciaire? Le comportement d'André Casse, peut-être. En effet, l'homme d'affaires n'a jamais donné de lui le spectacle qu'on attendait, ni en tant qu'époux, ni en tant que veuf. Vous pouvez
pouvez être propriétaire. J'en ai la certitude et je vais vous le démontrer. Alors, appelez-moi, appelez-nous. Partout où il est passé, il a laissé un sentiment de froideur, de cynisme et de désinvolture. Il n'a jamais joué le rôle de la justice. C'est-à-dire qu'il a joué, dire jouer, c'est exagéré, mais en fait, il s'est défendu avec sa personnalité et il n'était pas discret. Il n'avait pas, le poids et la tristesse de l'innocent qu'on a injustement accusé. C'est un homme qui a beaucoup d'énergie et de vivacité. Donc, je pense que c'est ça qu'il a payé. La personnalité d'André Casse, sulfureuse, son libertinage, ses mœurs contraires à ce qu'on attend dans la bourgeoisie provinciale, ont été déterminants du traitement du dossier. Ça me paraît être une évidence. André Casse a donc payé au prix fort ses multiples provocations. Mais il y a autre chose qui a joué contre lui. C'est sa religion. Un antisémitisme odieux, qui figure noir sur blanc dans l'une des pièces du dossier. Cette pièce, c'était un témoignage dans lequel on évoquait 5 fois le terme de juif. C'était le gros juif, c'était la femme du juif, etc. Et je pense que cet aspect-là a été aussi probablement négatif pour André Casse. En raison de tous ces préjugés, sans preuves, sans mobile et sans aveu, Casse a passé 3 années derrière les barreaux et plus de 8 autres sous contrôle judiciaire. Après ce long combat pour faire reconnaître son innocence, l'homme d'affaires a dû se lancer dans une nouvelle bataille, celle de l'indemnisation. Yves Charpenel, la réparation d'un préjudice, comment ça se calcule, sur quels critères ? Ça se calcule sur les critères des éléments que vous apporte la personne qui demande à être indemnisée. Donc les critères peuvent être subjectifs, comme la souffrance morale, et puis les critères objectifs. Si à cause de la détention, par exemple, on a perdu son emploi, eh bien c'est un manque à gagner qui est établi et qui va permettre au juge de dire « cette personne-là, dans ce dossier-là, eh bien elle a subi pour telle qualité et telle quantité de préjudice ». Techniquement, qu'est-ce que c'est que le préjudice moral ? Eh bien, c'est le retentissement sur votre morale, c'est-à-dire sur quelque chose qui n'est pas matériel, précisément. Alors, les médecins, parfois, font des échelles de souffrance, hein, en disant « cette personne, sur l'échelle de 1 à 10, a souffert 5 ou 6 ou 7 ». Vous voyez que c'est quelque chose qui est subjectif, parce que vous ne souffrez pas de la même manière selon votre histoire. Lorsque quelqu'un qui a été condamné déjà, était détenu 10 fois, est détenu la 11e fois à tort, il est victime d'un préjudice, mais qui n'est pas de même nature que la personne qui n'a jamais eu affaire à la justice et qui se retrouve jetée à tort en prison. Et en droit pénal, qu'est-ce que c'est que le préjudice matériel ? Eh bien, c'est la même chose, sauf que là, la souffrance, elle se quantifie. Autrement dit, la détention vous a coûté combien ? L'exemple typique, c'est vous avez votre femme ou votre mari qui vient vous voir régulièrement, parce qu'ils habitent à 300 km, eh bien, et qui dépense toutes les semaines de l'argent pour venir vous voir. Ben, ça, c'est un préjudice matériel. De même, vous étiez agent commercial dans une société, vous touchiez N euros par mois, vous ne les touchez plus quand vous êtes en prison. Eh bien, si vous n'avez pas été mis en prison, vous auriez continué à les toucher, et il faut en justifier, notamment par votre avis d'imposition. Justifier, argumenter, étayer, André Casse a dû se battre pour faire payer à la justice son préjudice. Il a considéré que la justice avait brisé sa vie, sa carrière, et que donc il fallait qu'il obtienne une décision au plus haut de l'institution judiciaire. Il voulait être blanchi, mais aussi remis en l'état, comme on dit. C'est-à-dire, en fait, que cette affaire lui avait coûté 12 ans de sa vie. S'il bénéficiait d'un non-lieu, alors il fallait qu'on le remette en état et qu'il retrouve un peu la situation florissante qu'il avait au moment où tout lui est tombé dessus. Lui, à l'époque, avait envisagé de demander un tribunal arbitral, un peu à la comme Bernard Tapie, se disant « je suis une affaire considérable, avec cet égo considérable qu'il a, pourquoi moi je n'aurais pas le même tribunal que Bernard Tapie ?» André Casse n'a pas eu droit au tribunal arbitral. C'est la cour d'appel de Rouen qui s'est chargée de statuer sur son indemnisation. Un parcours long et compliqué. C'est à la victime
de la détention, de démontrer le lien de causalité. Or, M. Casse a été incarcéré pendant près de 3 ans. Pendant près de 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de documents ont disparu. Et lorsqu'il est en état de venir devant la commission, eh bien, il ne détient plus suffisamment de preuves et c'est bien évidemment ce qui va lui être reproché par la justice. Avec toute l'énergie qui le caractérise, André Casse monte un volumineux dossier. Expertise financière à l'appui, il démontre point par point chacune des pertes causées par sa détention. Monsieur Casse, il a, si vous voulez, perdu d'abord la chance, la possibilité qui lui était offerte de mener ses affaires à bien. La vente de 19 immeubles qui sont véritablement bradés, ça doit constituer une perte, eh bien, nous n'avons pas été entendus là-dessus. De même, on n'a pas été entendu sur la perte à l'occasion de la vente de la maison de M. K. Je rappelle que cette maison avait été évaluée de l'ordre de 680 000 euros. Elle est vendue de l'ordre de 160 ou 170 000 euros. D'autant qu'André Casse a été interpellé et emprisonné non pas à une, mais à 2 reprises. Entre ces 2 passages en prison, l'homme d'affaires a tenté de reprendre ses affaires en main, de limiter les dégâts. Mais sa 2e incarcération, ce 2e coup, lui a été fatal. Il est bien évident que lorsque André Casse est remis en liberté par le juge d'instruction, on dit enfin, la justice est en train de se rendre compte de l'erreur et qu'il faut faire machine arrière. 1 mois après, il est remis en détention sur une décision de la chambre de l'instruction. Ce que disent ses créanciers, ce que disent ses partenaires, ce que disent ses associés, c'est il n'y a pas de doute, André Casse est nécessairement coupable. Et à partir de là, tout va véritablement s'effondrer. Les gens qui lui avaient fait confiance jusqu'à présent vont dire on ne peut plus faire confiance, il y a manifestement quelque chose qui implique André Casse dans le meurtre de son épouse. Pour ces 2 passages en prison, en juillet 2005, la cour d'appel de Rouen accorde à André Casse 70 000 euros, une somme censée dédommager son préjudice moral. En revanche, aucun préjudice matériel ne lui a été reconnu. Écœuré, Casse dépose un recours devant la Commission nationale de réparation de la détention provisoire, l'instance d'appel compétente dans ce type de dossier. Finalement, cette nouvelle commission lui accorde un peu plus de 103 000 euros, soit 40 fois moins que les 4 200 000 euros que l'homme d'affaires estimait avoir perdu. Si nous avions obtenu entre 50 et 60% de cette somme-là, on aurait probablement été dans une juste indemnisation, mais celle qui a été offerte est une indemnisation véritablement, je dirais même pas à minima, elle est insuffisante, elle est inique. Cette indemnisation est ridicule compte tenu de la fortune qu'il avait amassée de lui-même. Je veux dire, ce n'était pas un héritage, ce n'était pas le loto, c'était vraiment son travail et sa réussite personnelle. Donc c'est vrai que la justice, on a l'impression, si vous voulez, que la justice n'a pas trouvé et que presque elle lui a fait payer de ne pas avoir trouvé la vérité dans cette histoire. Donc on a l'impression que jusqu'au bout, André Casse a dû payer finalement son innocence. Une indemnisation au rabais. L'avocat général Yves Charpenel avait estimé que l'État français devait à André Casse la somme de 539 000 euros, soit 5 fois plus que ce que la justice lui a accordé. Yves Charpenel, vous avez considéré qu'il fallait lui donner combien ? J'estimais qu'on aurait pu l'indemniser davantage sur certains critères, mais globalement, la commission, comme toujours, a motivé et équilibré. Par exemple, elle a retenu le préjudice moral, en disant que dans sa situation, être resté 2 périodes longues de prison pour ensuite avoir un non-lieu était une souffrance particulière, c'est la répétition de la souffrance. Il a obtenu, et j'avais soutenu cette position, un préjudice sexuel, puisqu'on a fait établir par des spécialistes, c'est-à-dire des professeurs experts, qu'entre le moment où il a été mis en prison et le moment où il en est sorti, il pouvait établir que ça avait une influence sur sa vie sexuelle qu'il établissait comme ayant été particulièrement dynamique et qui avait perdu en tonicité après la détention. Et donc, les experts ont objectivé, et j'ai estimé que ça justifiait donc au moins une partie des sommes qu'il demandait.
Mais quand il a perdu sa maison, Monsieur Casse, quand il a perdu son entreprise, quand il a perdu sa prospérité et sa superficie financière, franchement, quelques dizaines de milliers d'euros, c'est oui, c'est pas juste. Parce qu'on vous avait un regard avec le recul de l'affaire qui est terminée. Mais la loi prévoit un certain type de montant. Le délai statistique moyen, qui ne veut pas dire grand-chose, puisque ça dépend des situations, il est de l'ordre de 70 euros par jour de détention. Mais elle prévoit surtout de n'indemniser que les préjudices qui sont directement et exclusivement liés au séjour en prison. Mais la perte de sa maison n'est pas forcément liée qu'à la prison. Elle est liée au retentissement dans la région où il vivait, de cette affaire. L'affaire Casse, ce n'était pas que de la prison. C'était une couverture médiatique très impressionnante. Sa réputation, avant même d'être en prison, et après qu'il soit allé en prison, a évidemment contribué à l'appauvrir. Avec le recul, est-ce que son indemnisation, ce qu'il a touché, vous paraît juste ? Elle l'est nécessairement du point de vue juridique. D'un point de vue humain, je ne suis pas compétent pour le dire. Je dirais que par rapport au dossier qu'on a examiné, je pense que c'était une décision équilibrée. Une décision qui n'est susceptible d'aucun recours. André Casse n'aura pas un centime de plus. Aujourd'hui encore, le promoteur ne s'en remet pas. 103 000 euros, c'est ce que la justice vous a finalement accordé. Qu'est-ce que vous en pensez de ce montant ? C'est une indignité, c'est honteux. Ça ne correspond à rien. Et on m'a dit, bah, c'est bien, parce que ça, plus 70 000 indemnités morales, 70 000 euros pour passer 3 ans en prison, à vivre à 3 dans 12 mètres carrés, et avoir toutes mes affaires détruites, ma vie détruite. Et on m'a dit, mais vous savez, vous auriez pu confier à un mandataire de justice vos affaires pour qu'elles continuent. Plaisanterie, mes affaires, elles étaient basées sur moi et sur du commercial. Qu'est-ce que quelqu'un allait vendre mes opérations à part moi, quoi. Donc je dirais, je suis tombé dans des réponses absolument surréalistes, dans des gens qui n'en avaient rien à foutre. Et je suis tombé devant des gens qui ne voulaient pas reconnaître leur tort, même quand ils étaient épatants. Mais au ministère de la Justice, ils peuvent vous donner quoi ? La plus belle fille peut donner que ce qu'elle a, ils n'ont rien à donner. Donc ils peuvent vous donner que des rogatons, des pelures, rien, des déchets, l'obol. En gros, ils vous donnent 2,5% ou 2% de ce que vous avez perdu, voilà, et puis estime-toi content et dégage. Et les impôts qui vous attendent, eux, disent « Stop ! On te l'a donné de la main gauche, on te le récupère de la main droite. » Voilà. Finalement, j'ai été 12 ans entre parenthèses. Je suis rentré en prison, j'avais 41 ans. Pesais à l'époque, d'après le plus grand expert comptable qu'il y avait à Rouen, expert auprès de la Cour d'appel, 4 200 000 euros. Je suis sorti avec 3000 francs en poche, j'avais toute une série de voitures, une propriété, 31 maisons, je n'avais plus rien. Vous avez réussi, je ne sais pas s'il faut parler de réussite, à vous faire indemniser pour préjudice sexuel. Oui, j'avais une vie qui était extrêmement intense. Et en prison, et les conséquences de la prison ont ralenti un peu, liberté ou c'est... ma vie sexuelle. Et donc, ça a été... Mais j'ai trouvé que c'était... Là, c'était fun, je dirais, parce que c'était vraiment très symbolique. Mais c'était vraiment le fait d'expliquer que dans tous les domaines de la vie, vous étiez traumatisé parce que vous viviez, quoi. Et ne m'étant pas donné à l'homosexualité, disons, sympathisant non pratiquant, c'est 3 années de détention ne m'ont pas intéressé vers d'autres rapports humains que les rapports auxquels j'étais habitué avec des dames, quoi. Le parquet général avait requis 539 000 euros. À votre avis, pourquoi il n'a pas été suivi ? C'est tout simple. Les magistrats, y compris la Cour de cassation, ont horreur de montrer qu'ils sont trompés. Une grosse indemnisation, c'est une grosse erreur. Une petite indemnisation, c'est une petite erreur. Ça vous semble injuste ? Ça donne surtout pour mes enfants le sentiment de l'injustice. Ça veut dire qu'ils sont maintenant aujourd'hui... Aujourd'hui, on part du principe, tu travailles beaucoup, tu gagnes ta vie parce que tu as beaucoup travaillé, cet argent va te permettre de développer ta famille, élever tes gosses, tout va bien se passer. Et les gosses sont aperçus que même quand c'était comme ça, on ne pouvait pas avoir confiance. Donc quand on parle de démocratie, quelque part, mon fils qui est en Chine, auquel on dit « Oh là là, la Chine, c'est pas démocratique », il est mort de rire. Parce que lui, il parle de mon affaire et il dit que ça ne peut pas être pire en Chine. Les enfants d'André Casse ont eux aussi été indemnisés par la justice, mais par une autre juridiction, la CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Le principe est sensiblement le même, il existe une grille de tarifs censée déterminer le prix de la douleur.
Julien Casse, est-ce que vous, vous avez été indemnisé? Uniquement sur le fait que ma mère était assassinée. Alors ça a été un peu compliqué, puisqu'au départ, la justice nous donnait 45 000 euros. Par enfant? Par enfant. Et ce qui s'est malheureusement passé, c'est que la cour a fait appel. Ils n'étaient pas d'accord de la décision, qu'ils trouvaient trop généreuse en notre égard. Donc, on a été rejugé, et là, on nous a donné 25 000 euros par enfant, pour l'assassinat uniquement de notre mère, hein. Pas pour l'incarcération de notre père, pas pour la chance qu'on a perdue, pas pour tout ce qu'on a perdu, mais uniquement pour son assassinat. Qu'est-ce que vous en pensez de ce montant et de cette décision? Ben, c'est toujours très compliqué. Comment est-ce qu'on peut juger la valeur d'une personne? Donner un montant, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a eu un montant, mais ça aurait été 100 euros ou ça aurait été 50 000 euros, c'était... Voilà, ça permet pas de s'acheter une maison, ça remplace pas une maman. Donc voilà, c'est à la limite, le montant n'a pas une grande importance. Vous dites qu'on n'a pas été indemnisé à la hauteur de tout ce qu'on a perdu. Qu'est-ce que vous pensez avoir perdu? Aujourd'hui, moi, c'est une chance. J'aurais pu faire des études, j'aurais pu faire des choses. Tout ça, je n'ai pas pu le faire. Je me suis retrouvé à devoir travailler à même pas 16 ans pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc qu'est-ce qu'on a perdu? Une adolescence, une vie humainement normale, les amis, les bacs, les copains, les fêtes, et à se retrouver dans une vie d'adulte du jour au lendemain. Autre laissé pour compte, Malek Mestoui et Driss, les soi-disant hommes de main d'André Casse. Comme lui, ils ont fait 3 ans de prison sur la foi d'accusations mensongères. Comme lui, ils ont toujours crié leur innocence. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu le même écho. Aujourd'hui, Malek Mestoui comme Driss ont le sentiment d'avoir été broyés par la justice qui ne les a jamais aidés à se relever. Malek Mestoui, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Beaucoup de souvenirs, mais ça va. Le plus dur, c'était quoi? Être privé de liberté, l'hygiène, et puis marcher une main devant, une main derrière, une fois qu'on était dans les divisions, après... Vous savez, on rentrait en prison pour un mois, vous pouvez prendre 10 ans derrière. Hein, qu'à vous battre, ou aller au cachot, ou être mal noté, ou être pris en grippe par quelqu'un, et puis ça y est. Hein. Et vous, en plus, vous étiez innocent? Bien sûr. C'est encore plus dur de vivre en prison quand on sait qu'on est innocent? Maintenant, je le sais, oui. Parce que quand je suis arrivé, je disais, je suis innocent, j'ai rien à voir, je suis innocent. Tout le monde compatissait devant moi, mais derrière, tout le monde me rigolait au nez. Parce qu'il me disait, on est tous innocents ici. Tout le monde est innocent en prison. Et votre sortie de prison, ça s'est passé comment? Très très mal. Je me suis retrouvé sans femme, sans enfant, sans maison, sans voiture, sans habits, sans rien. Je suis retourné chez ma mère, à 44 ans. Voilà. Votre femme, vous avez quitté? Oui, mais je la comprends. Ça faisait 3 ans, elle n'allait pas vivre avec une photo. Hein. Je la comprends très bien. Moi, j'aurais fait pareil. Vous avez retrouvé une femme? Oui, j'ai retrouvé une femme, ouais. Ouais. Qui est la mère de mes enfants maintenant. J'ai 2 enfants. Avec, ouais. Et vous avez été indemnisé? Oui, sournoisement. Pourquoi sournoisement? C'est-à-dire que 3 ans prison. Avec mon avocat, on avait demandé 500 000. Ils m'ont donné 73 000. Vous enlevez 30% pour l'avocat. Vous faites le calcul. Il me restait un gros 40 000. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis en pré-retraite. Voilà. Je suis avec ma mère, mes frères, mes sœurs. Est-ce que vous en voulez à la justice? Pas à la justice. J'en veux à la France. Parce que moi, depuis 1856, je suis français. Et j'ai toujours été français. Ma famille a toujours été française. Puis quand on arrive dans une affaire comme ça, on n'est plus français. On n'est plus rien. On n'est plus qu'un numéro. Et la police, vous lui en voulez à la police? J'en veux pas. Elle fait mal son travail, c'est tout. Il y a des bons policiers, puis il y a des mauvais policiers. Hein. Je suis tombé sur les mauvais. C'est tout. Chaque jour depuis, André Casse tente de reprendre le cours de sa vie. Mais plus de 20 ans après le meurtre de sa femme, son passé le poursuit. Il a repris son activité principale, qui était l'immobilier, promoteur immobilier.
Donc il essaie de lancer des constructions, hein, des projets de construction, des lotissements, des villas, notamment les maisons en bois. Et il y parvient, mais le souci, c'est qu'il n'a pas la confiance des banques, il n'a pas la confiance des notaires, il n'a pas la confiance de ses interlocuteurs habituels pour faire ses affaires. Et donc, en fait, il est obligé d'utiliser des connaissances de la famille, des prête-noms, comme on dit, pour pouvoir monter ses opérations. Ce qui est une dette trop lourde, puisque, si vous voulez, il est obligé de porter comme la honte de ce qu'il n'a pas fait. Et comme si le sort s'acharnait, André Casse a été victime d'un nouveau cambriolage qui a failli très mal tourner. C'était le 19 juillet 2011. Ce jour-là, vers 19h30, alors qu'il rentre chez lui d'une promenade en famille, sa compagne, ses enfants et lui se retrouvent nez à nez avec les voleurs. Et là, évidemment, vous donneriez votre portefeuille, vous n'auriez aucune réaction. Lui, il faut qu'il s'en mêle et qu'il essaie d'attraper les cambrioleurs qui veulent s'en prendre à sa maison, ses proches, lui-même, etc. Donc en fait, il ne peut pas s'en empêcher. C'est une force de réaction qui est inhérente à André Casse et qui fait que quand il veut se défendre, il se défend avec ce qu'il trouve à portée de main, évidemment. Donc se saisir d'un sabre, poursuivre sabre au clair, un petit peu comme dans Pirates des Caraïbes. Vous voyez, l'ambiance est quand même... c'est un film, quoi, hein, souvent avec lui. Et donc, c'est vrai qu'il poursuit les voleurs et il les atteint. D'un coup de sabre, l'un des cambrioleurs est blessé à la main. Pour cette altercation, André Casse et son fils sont placés deux fois en garde à vue, avant d'être finalement relâchés. Alors, il y a une autre encore histoire dans laquelle vous êtes retrouvés. C'est cette histoire de cambriolage dont vous avez été victime. Et dans cette affaire, vous l'avez mauvaise. Oui, parce que ça m'a valu d'être en garde à vue, à deux reprises. Mais d'un autre côté, je me suis dit, si Brigitte, ma nouvelle compagne, qui venait de se séparer de moi, avait été trouvée assassinée dans un cambriolage. On m'aurait de nouveau accusé d'avoir commandité le meurtre de Manuel Compagne, puisque nous nous séparions, on aurait dit qu'elle savait des choses sur lui, donc il a organisé la même chose et on l'a fait disparaître. Donc je suis parti du principe que je préférais me retrouver aux assises, s'il l'avait fallu pour avoir tué les cambrioleurs qui étaient venus mettre en danger, comment dire, mon ex-compagne, mes enfants... Et votre famille ? Ma famille et ses petits-enfants. Je préférais nettement ça que de me retrouver aux assises pour rien, pour avoir fait organiser un meurtre. Là, heureusement pour elle, je suis arrivé à temps. Voilà. Je serais rentré une heure plus tôt, Sylviane ne serait pas morte et on n'aurait pas eu l'occasion d'en parler. Et voilà que le nom d'André Casse est encore associé à une nouvelle affaire. Deux ans plus tard, en avril 2013, une émission de radio met en lumière un litige supposé entre André Casse et une trentaine de clients pour lesquels il devait construire des maisons dans un éco-quartier. Des maisons qui n'auraient jamais été livrées. Muriel Gauchet affirme, elle, être l'une des victimes d'André Casse, mais sur un autre projet. Muriel Gauchet, vous êtes en colère contre André Casse, pourquoi ? Au départ, conformément à la loi Cellier, nous avons signé un contrat qui nous permettait d'avoir... Donc c'est un contrat locatif qui nous permettait de louer un logement dans le château de Werpe, qui appartenait justement à M. Casse. Ce logement nous permettait donc d'avoir un locataire et grâce à ceci, cela nous permettait de réduire et même de ne pas payer du tout d'impôts. Mais actuellement, ça nous a fait perdre énormément d'argent plutôt que nous en faire gagner. Donc effectivement, je peux dire, très très remontée contre M. Casse. Vous l'avez déjà rencontré ? Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer M. Casse parce qu'il était déjà très difficilement joignable. J'ai eu au départ de l'affaire, donc c'est-à-dire en 2009, des contacts avec sa secrétaire. J'ai eu peut-être une fois ou deux fois des contacts avec lui, mais c'était des contacts très brefs, où il me promettait qu'il allait faire quelque chose, que les travaux allaient avancer, qu'il allait me rappeler, mais j'attends toujours qu'il me rappelle. Et il m'avait d'ailleurs donné son numéro de portable, mais j'ai jamais réussi à le joindre sur le portable. Vous avez perdu combien dans cette opération ? Alors au départ, c'est un appartement de 140 000 euros.
euros. Nous avons déjà débloqué 98 000 euros. Donc, en tout, nous avons déjà remboursé aux alentours de 15 à 20 000 euros. Et nous continuons à rembourser des ordres de 750 euros tous les mois, qui ne nous apportent rien du tout, parce que nous avons absolument rien du tout à côté. Pas de logement, pas de remboursement d'impôts. Et ça nous pose beaucoup de problèmes tous les mois, côté financier. C'est pour ça que nous avons essayé de contacter un avocat. Mais ce qui va être encore plus difficile, parce que les frais que nous allons engager justement pour cet avocat s'élèvent approximativement à plus de 10 000 euros. Et bien sûr, nous ne les avons pas actuellement, puisque nous n'arrivons pas à nous faire rembourser. Donc financièrement, ça devient très très difficile. Difficile, ça veut dire ? Difficile, c'est-à-dire qu'à chaque fois de mois, nous sommes en négatif à la banque. Et sans rajouter, c'est vrai que tous les fins de mois, ça devient difficile d'avoir, on va dire, pas d'avoir de la viande dans notre assiette, mais on ne peut pas sortir, on ne peut pas partir en vacances. Je ne peux pas dire aux enfants, je ne peux pas vous emmener au cinéma, je ne peux pas vous acheter un jeu. Et oui, effectivement, parce que les 724 euros qui partent tous les mois, j'aimerais bien les donner à mes enfants pour qu'ils s'achètent des jeux. Ah ben non, ça part pour rien du tout. Ils en sont où, les travaux ? Les travaux sont apparemment... ils doivent être hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas loger à l'intérieur, il doit y avoir des murs, un toit, et c'est tout. Donc c'est complètement vide, on ne pourrait même pas y habiter, on ne peut rien faire, et les travaux sont complètement éteints, complètement arrêtés. On a rencontré monsieur et madame Gaucher. Oui. Qui vous accuse dans l'affaire du château de Werp. Oui. D'avoir pris de l'argent dans un projet que vous avez lancé et pour lequel ils attendent et pour lequel ils n'ont toujours rien. Oui, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne connais pas personnellement M. et Mme Gaucher. J'ai dirigé un moment d'une société et j'avais un actionnaire qui m'a débarqué de manière à ce que je ne sois plus gérant. Cet actionnaire est mort malheureusement en mars dernier. C'est une opération immobilière qui a été faite logiquement. La société est aujourd'hui en dépôt de bilan. Et le notaire actuel de l'opération, qui est un type très bien, est en même temps client de l'opération. Et apparemment, il essaye de réunir tous les clients pour terminer l'opération. Et il y a assez d'argent pour en finir, pour ce que j'en sais. Mais ça fait plus de 2 ans que je ne suis pas gérant de cette affaire. Donc aujourd'hui, vous dites que l'opération va se terminer, que monsieur et madame Gaucher ainsi que tous les autres, toutes les autres personnes vont finir par avoir leur bien. Non, je peux dire aujourd'hui que le notaire qui est client a la motivation pour le faire. Voilà, donc on peut dire qu'on a un bon espoir. Et que cela ne vous regarde plus aujourd'hui puisque vous n'êtes plus... Il y a 2 ans que je ne suis plus gérant de cette société. Donc je dirais, le simple fait, c'est quand vous êtes médiatique, les gens se disent c'est lui. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça ? Je suis en liquidation judiciaire moi-même, donc je vais d'abord demander ce qu'on peut faire pour moi, aujourd'hui, à titre personnel. Donc, je suis locataire de la maison où nous sommes aujourd'hui, je ne suis plus propriétaire de rien. Non, aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, c'est espérer que le notaire, avec les autres copropriétaires, sur la masse des fonds nécessaires, puisse terminer l'opération et la finir le mieux du monde. Manifestement, d'après ce qu'on a pu m'en dire, puisque je ne suis pas dans les secrets là des dieux, mais d'après ce qu'on a pu m'en dire, ça doit pouvoir se finir dans le cadre du budget qui reste. Aujourd'hui, André Casse s'est inscrit pour la première fois de sa vie comme demandeur d'emploi. Depuis sa sortie de prison, toutes les affaires qu'il a montées ont fait faillite. C'est quelqu'un qu'on a brisé, c'est quelqu'un qu'on a ruiné, c'est quelqu'un qui avait une très belle situation, quand même assez exceptionnelle, qui s'était fait tout seul, c'était un self-made man à la française, et qui, impliqué dans une affaire de commandite d'assassinat, évidemment, tout s'arrêtait du jour au lendemain. Je pense qu'André Casse ne se relèvera jamais véritablement de cette affaire, et qu'il traînera toujours avec lui le poids de cette détention. La justice a restitué à André Casse son honneur, mais visiblement pas à la hauteur de l'injustice ressentie. Difficile destin en France que celui d'innocent. Aujourd'hui, plus de 20 ans après la mort de votre femme, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs choses qui peuvent me faire espérer, mais je dirais l'avenir, c'est très difficile. Quand vous avez perdu il y a 20 ans à la fois tout ce que vous aviez et le crédit des banquiers qui travaillaient et que l'État a refusé de vous indemniser à hauteur de vos pertes. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez espérer comme avenir ? L'avenir, ils me l'ont détruit.